C'est parfait. On coupe ? Ah oui ? Oui. Attention. Bon appétit. Merci. Bonjour, alors moi c'est Charlotte Collard et aujourd'hui je vais rendre visite à Victoria qui réside dans la maison de retraite Orpea, les Jardins Longchamp, et ensemble nous allons faire une recette, le banana bread sans gluten et sans sucre. A tout de suite. Bonjour Victoria. Bonjour. Enchantée, comment allez-vous aujourd'hui? Mais très bien, je suis très contente d'apprendre chez vous des recettes... Gourmande, mais gourmande, pas sucrée. Voilà, et pas sucrée, voilà. Je suis devenue diabétique à 50 ans, plus ou moins, okay. Parce que j'ai mangé très déséquilibré, j'aimais beaucoup les chocolats et les glaces, tout ce qui est sucré. Donc, vous n'avez pas écouté votre corps et il a dit stop maintenant. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va faire un banana bread. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peler les bananes, les trois, et les mettre en morceaux. C'est un grand mange de bananes aussi. C'est vrai? Mais quand on est à Montevideo, on mange beaucoup de bananes. Vous n'êtes pas belge? J'ai un passeport belge depuis 40 ans. Mm-hmm. Mais je suis née à Montevideo d'un papa d'origine lituanaise. Incroyable. Voilà. Et après, on est parti en Ukraine. En Ukraine? Où il fallait apprendre l'ukrainien et le russe. Après, j'étais en Lituanie. Et tout ça parce que vos parents voyageaient ou quelle est la raison pour laquelle vous avez voyagé? La première raison, c'était mes parents. Mm-hmm. Et après, un jour, je me suis mariée avec un violoncelliste et je voyageais avec mon violoncelliste. Génial. Voilà, et c'est ça. Génial. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écraser les bananes. Hop. Voilà. Alors ensuite, on va ajouter le corps gras, qui est l'huile de coco. Voilà. La cannelle. Oui. La vanille. Le gingembre. Il faut tous les morceaux. Non. Il y en a qui aiment. Moi, j'adore quand c'est piquant, mais je vais quand même pas vous mettre. Non, moi j'aime bien. J'ai fait souvent des tisanes. Mais... Ah, ben voilà. Donc, on mélange. Alors, maintenant, on va passer aux ingrédients secs, la poudre d'amande, la farine de riz, le bicarbonate. Voilà, ben écoutez, la pâte est déjà faite. Alors, hop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir poser les bananes, là, et les noix. Voilà, je vais filer en cuisine, le mettre au four. Oui. Et comme ça, j'espère que... Et on va attendre que on ça va attendre plaît. Que ça cuise. Voilà, j'arrive. C'est parfait. On coupe? Ah oui? Oui. Attention. Bon appétit. Merci. Délicieux. Pas mal, hein? C'est pas sucré. C'est banané. Il n'y a pas trop de sucre. Voilà. En tout cas, merci pour votre temps. Alors, j'ai une petite faveur à vous demander. Oui. Est-ce que je peux prendre un selfie? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous en prie. Génial, très génial. Et les yeux, un peu.